Salut à tous, c'est Nautigs. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, le jailbreak pour PS4 5.05 est sorti hier. Et dans cette vidéo, je vais enfin vous montrer comment l'installer directement sur votre PS4. Donc faut savoir que c'est beaucoup plus simple que sur 4.55 et 4.05. Dans cette vidéo là, je vais vous montrer comment installer le jailbreak et également le CFW Mira pour avoir directement tout ce qu'il faut sans injecter de payload ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple que sur les anciens jailbreaks. Alors pour commencer, il faut que votre PS4 soit en 5.05 ou une version inférieure. Donc pour ça, vous allez dans Système, Information Système. Donc moi, ma PS4, elle est en 4.55, vu que c'est celle que j'utilisais pour l'ancien jailbreak. Donc je vais la mettre à jour. Je vais pas acheter une nouvelle PS4 pour ce jailbreak là. Je vais simplement le mettre à jour. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, ils sont dans une version inférieure au 5.05. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut la mettre à jour. Et comment on la met à jour? Je vais vous montrer ça directement. Si votre PS4 est déjà à jour, vous pouvez passer ce passage. Je vous afficherai à l'écran le moment où il faudra aller pour passer le passage de la mise à jour si vous êtes déjà en 5.05. En tout cas, on se retrouve sur le PC pour la mettre à jour. On se retrouve sur le PC pour la mise à jour. Alors vous allez directement aller sur mon site psx-hosting.eu. Le lien sera directement en description pour la mise à jour. Donc vous allez dessus. Il vous faut une clé USB. Donc vous la branchez. Ensuite, vous allez sur PS4 Firmware. Ensuite, vous choisissez simplement la version Firmware 5.05. Vous appuyez dessus. Ensuite, ça vous amène sur la page de téléchargement de la mise à jour 5.05. Donc vous appuyez simplement sur le bouton bleu. Donc il va apparaître juste ici. Le bouton Download. Vous appuyez dessus. Et ça va vous donner un fichier qui s'appelle PS4 Update-System.pup. Donc ce fichier là, vous allez directement le mettre dans votre clé USB. Donc comme ça. Donc moi il s'appelle 505 Retail, mais au final c'est le même fichier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier qui s'appelle PS4 en majuscule, très important. Ensuite, vous mettez le fichier dedans. Ensuite, vous ouvrez le dossier PS4. Et dans le dossier PS4, vous créez un autre dossier qui s'appelle Update, encore en majuscule. Et dedans, vous mettez le fichier. Ensuite, vous renommez le fichier PS4 Update en majuscule, comme ça, ps4update.pup. Ensuite, vous fermez ça. Vous éjectez la clé USB de votre PC. Vous allez directement aller la brancher sur votre PS4 sur le port de droite. Donc moi je vais le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éteindre votre PS4. Puis une fois qu'elle est totalement éteinte, vous appuyez sur le bouton pour l'allumer. Mais vous lâchez pas le bouton. Vous laissez appuyer jusqu'à qu'elle fasse un deuxième bip. Ensuite, on se retrouve sur la PS4. Donc ensuite, une fois que votre PS4 aura fait le deuxième bip, il va s'afficher un écran mode sans échec. Appuyez sur la touche PS. Donc là, vous allez brancher directement votre manette PS4 par USB. Donc il faut que ce soit une manette officielle. Si c'est une fausse ou une manette bizarre, ça va pas marcher. Ensuite, vous appuyez sur le bouton PS. Et là, vous aurez plusieurs choix. Donc nous, on va faire mettre à jour le logiciel système. Ensuite, vous mettez mettre à jour depuis le périphérique de stockage USB. Donc ça vous dit de mettre une version, voilà. Vous appuyez sur OK. Et là, ça va vous mettre la version suivante du logiciel système est disponible, version 5.05. Donc vous vérifiez bien qu'il y a marqué 5.05. Vous faites suivant. Et là, la PS4 va simplement installer la mise à jour qui est sur la clé USB. Donc la mise à jour 5.05. Donc normalement, c'est assez rapide vu que c'est une mise à jour sur la clé USB. C'est beaucoup plus rapide que par internet. Et ensuite, une fois qu'elle a fini de la copier, elle va simplement redémarrer. Donc normalement, ça prend maximum 2 minutes au total, toute la mise à jour. Ensuite, vous appuyez sur mettre à jour et là votre PS4 va redémarrer. Donc là, voilà, ma PS4 a redémarré directement. Donc hop, je me connecte. Donc là, bien sûr, quand elle nous demande de s'inscrire au PSN, on le fait pas vu que on peut pas tout simplement. Donc là, vous arrivez sur la PS4. Donc vous allez dans paramètres, système et information système et vous vérifiez bien qu'elle est à jour en 5.05 et pas une autre version. Ensuite, vous êtes en téléchargement automatique. Et vous décochez mise à jour logiciel système et mise à jour d'application. Ensuite, vous allez dans paramètres de gestion de l'alimentation, fonctionnalité en mode repos. Et là, vous décochez tout. Ensuite, une fois que c'est fini, on revient au menu. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir le navigateur de votre PS4. Et là, ça dépend de si votre PS4 est activé ou pas. Si votre PS4 est activé,
Quand vous allez ouvrir le navigateur, il va s'ouvrir. Si votre PS4 n'est pas activé, ça va vous demander de vous connecter au PSN. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment l'activer. Si votre PS4 est déjà activé, c'est-à-dire si vous pouvez ouvrir le navigateur, je vous affiche à l'écran le moment de la vidéo où il faut que vous alliez pour la suite du tutoriel. Donc si votre navigateur est déjà activé et que vous pouvez l'ouvrir, vous passez au moment de la vidéo que j'ai affiché sur l'écran. Donc j'afficherai le nombre de minutes où il faudra aller et vous irez directement là. Parce que là, je vais vous montrer comment activer le navigateur. Et s'il est déjà activé, ça va pas être utile pour vous. Donc si votre navigateur n'est pas activé, on se trouve directement sur le PC. Il faut que le PC soit connecté à la même connexion que votre PS4. Donc là, on se trouve sur le PC. Donc vous allez télécharger le logiciel SKFU Proxy. Il sera directement en description, le lien de téléchargement. Vous téléchargez, vous l'installez et vous l'ouvrez. Et vous arriverez ici sur une page. Donc vous allez sur HTTP Web Server. Sur Proxy Server, pardon, excusez-moi. Ensuite, vous allez sur Rules, ici. Dans le champ source, vous allez mettre le premier lien qui est en description. Donc il y a marqué lien 1. Et vous mettrez directement le lien 1 qui est en description. Ensuite, dans Target, vous mettez le lien 2 qui sera tout simplement en description aussi. Ensuite, vous appuyez sur Add Rule. Ensuite, vous revenez sur Log. Et vous appuyez sur le bouton ici, le bouton Play qui est en bas. Ici, vous appuyez, hop. Ensuite, cette barre-là va bouger en vert. Si elle bouge, c'est que c'est bon. Il faut que votre PC soit connecté à la même box internet que votre PS4. Et donc là, vous allez laisser ça tourner, surtout vous le fermez pas. Et on se retrouve sur la PS4. Donc là, on se retrouve sur la PS4, vous allez dans les paramètres, vous allez dans réseau. Ensuite, configurer la connexion internet par Wi-Fi ou câble, par ce que vous utilisez. Là, vous mettez personnaliser. Et là, vous allez directement vous connecter à votre Wi-Fi ou à votre câble. Donc moi, je vais le faire. Donc je vais mettre mon mot de passe. Surtout n'allez pas trop vite parce qu'on va devoir faire quelque chose de spécial. Donc là, je mets le mot de passe. Ensuite, vous appuyez sur OK. Vous attendez que ça charge. Là, vous allez sur automatique. Là, vous mettez ne pas spécifier. Ici, vous mettez automatique. Automatique encore. Et arrivé à serveur proxy, vous faites utiliser. Et là, dans le champ adresse, vous allez mettre l'IP qui est marqué sur votre logiciel. En bas à gauche, il est marqué proxy serveur IP. Et en face, il y a une IP. Donc vous allez directement la taper ici. Et vous allez également taper le port. Donc le port, vous le mettez en dessous. Moi, je vais directement le taper. Pour moi, c'est ça. Pour vous, ça sera sûrement une autre adresse. Ensuite, ici, vous avez le port. Normalement, c'est 8080. Ensuite, vous appuyez sur suivant. Vous faites tester la connexion internet. Donc normalement, ça va être bon. Et normalement, là, la PS4 est en train de se connecter au logiciel de proxy. Ensuite, une fois que c'est fini, on peut quitter directement. Vous allez dans paramètres. Ici, guide de l'utilisateur. Guide d'utilisateur. Ensuite, donc là, on va revenir au milieu du tutoriel. C'est-à-dire que pour tout le monde, ça va être la même chose. Et si vous appuyez sur le guide d'utilisateur, vous arriverez sur la même page que celle qu'on va visiter maintenant. Donc là, pour ceux qui ont le navigateur activé, vous allez avec le navigateur. Pour ceux qui ont le guide utilisateur, c'est pareil, vous allez directement sur la page psxacactu.fr/playground. Donc ce sera directement écrit en description. Si vous avez le guide utilisateur, vous arriverez directement dessus. Mais si votre navigateur est activé, vous le taperez vous-même. Comme ça, hop, voilà. Donc normalement, vous voyez écrit, mais de toute façon, ce sera directement en description. Donc vous arriverez ensuite sur la page exploit PS4. Donc cette page, je vous l'ai déjà montré par le passé, elle regroupe tous les exploits qu'il y a sur les consoles PS4. Donc c'est mon site. Donc là, vous appuyez sur le bouton jailbreak 5.05, donc c'est le premier. Vous appuyez dessus. Et votre PS4 va sans se jailbreaker en quelques secondes, vu que la page regroupe vraiment tout ce qu'il y a de bon. Alors si ça met mémoire système insuffisante, vous appuyez sur OK et ça va automatiquement réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc ça peut mettre un peu de temps à fonctionner comme d'habitude vu que c'est la première version de jailbreak. C'est encore une version de test.
10 minutes que j'essaye à chaque fois et que ça marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose que j'avais pas remarqué avant. En fait, le jailbreak s'installe, même quand ça tourne encore, mais il est quand même installé en fait. C'est-à-dire que là, ça tourne en fait, mais il est déjà installé. Le CFW est directement déjà installé. Donc je savais pas que ça faisait ça, c'est bizarre. Donc vous pouvez directement quitter le navigateur internet après avoir essayé en fait, parce que c'est normal que ça n'arrête pas de tourner. Donc on va dans paramètres. Alors je le découvre en même temps que vous, hein. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Suspense. Ok, on a des bug settings là. Et là on a directement accès à tout. Donc c'est nickel. Comme vous pouvez le voir, on a package installer, etc. Donc là, le CFW Mira a installé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a directement, en lançant la page, on n'a pas eu besoin de lancer le payload. On a les debug settings, on a installé le sort de PKG, on a les homebrew, les backups, on a bref tout en fait. On a tout directement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que on va installer un PKG pour tester le jailbreak. Donc on se retrouve juste après. Je vais juste mettre un PKG dans ma clé USB. Donc pour ceux qui veulent des homebrew, des PKG, etc., il y aura un lien d'inscription où il y a plein de PKG pour la PS4, PKG assez utile. Donc là on va tester debug setting, game, package installer. J'ai mis test app, hein, vous connaissez la base. C'est le petit PKG qui permet de tester si la PS4 est bien jailbreak. Donc on va tester ça si le CFW marche bien. Il est là, suspense. Donc là ça vous met à mettre à jour, en fait, mettre à jour ultérieurement bien sûr. Est-ce que ça marche? Et oui, nickel, hop, la PS4 est jailbreak en 5.05. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une PS4 jailbreak en 5.05. Donc pour cette version là, j'ai pas acheté de PS4, hein, j'ai juste mis à jour ma 4.55. Et j'ai mis à jour ma 4.05 en 4.55. Au moins j'ai 3 PS4, des versions différentes. Mais j'ai pas voulu racheter une PS4 parce que je suis pas non plus riche, quoi. J'ai pas envie d'avoir 5 PS4. Bref, voilà, c'est fini. Tutoriel fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me dire aussi. Je vous aiderai bien sûr en commentaire. Donc je sais que vous allez directement spammer en commentaire. Ouais, c'est quand jailbreak 5.50, 5.51, machin. Pour l'instant, c'est dans longtemps. Le 5.50 il arrive en été, mais le 5.51, etc., il arrivera sûrement dans longtemps. Donc soyez patient et profitez déjà de ce jailbreak là. Je précise une chose, si vous allez en magasin, 90% des PS4 sont encore en 5.05 dans les magasins. Donc s'il y a une petite promo dans votre magasin, vous y allez, vous achetez une PS4 tranquille. Et vous la jailbreakez directement. C'est une version assez récente, la 5.05. Elle date même pas de 2 mois. Donc les PS4 en magasin sont pas encore à jour. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel là. J'espère qu'il vous a plu. On se revoit dans une vidéo. Ciao tout le monde.